Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation. Oui, c'est toujours moi, j'ai déjà fait une autre vidéo, mais j'avais envie de vous parler d'autre chose. Allez, c'est parti. Je suis toujours Joanne, toujours maman de trois enfants qui sont maintenant grands, et ça fait plusieurs années maintenant que je passe mon temps à m'occuper avec plaisir des femmes, des parents, des futurs parents sur le chemin de la grossesse et de la parentalité. Je suis ce qu'on appelle une doula, consultante en périnatalité. Moi, je préfère le terme accompagnante à la naissance. Je trouve qu'il correspond plus à ce que je fais. J'accompagne, je soutiens les parents pendant la grossesse, la naissance et l'après-naissance, appelé le quatrième trimestre de la grossesse. Tellement, il fait partie intégrante de ce chemin. Vous allez me dire, on a déjà des professionnels pour ça. Oui, mais moi je vais vous répondre qu'on n'aura jamais assez de monde pour s'occuper des parents qui attendent un enfant ou qui ont un jeune enfant accueilli à la maison. Et puis, le personnel médical aujourd'hui a très peu de possibilités techniques, temporelles, pour passer du temps d'échange et de qualité sur des thèmes qui ne seront pas médicaux. Avec la doula, on va pouvoir parler par exemple des peurs qui peuvent survenir pendant la grossesse, des questionnements pratico-pratiques sur la prénaissance, le matériel de puériculture, ou même le positionnement du deuxième parent qui aura un espace de parole un petit peu plus ouvert avec une doula par exemple. Toutes les doulas ont des formations, des sensibilités différentes. La doula, c'est de l'accompagnement, donc c'est très ouvert et très variable. Je vous invite vraiment à en contacter, que ce soit appel, visio, etc., pour vous donner déjà un ordre d'idée et laisser la magie opérer. Si vous avez envie de continuer à discuter avec cette personne, c'est celle qu'il vous faut. Personnellement, je suis formée pour répondre aux besoins dès le désir d'enfant, pour accompagner pendant la grossesse, autour de rencontres libres ou d'échanges à thème, transmettre et proposer un accompagnement avec l'hypnonatal, guider les parents aussi sur l'après-naissance, l'allaitement, le sommeil de bébé, et bien sûr le portage en écharpe, en outils, le portage à bras bien sûr. Je propose aussi des soins pour toutes les femmes, que ce soit pendant la grossesse, après ou même très longtemps après, je prends soin de toutes les femmes. Je propose des massages relaxation, bien-être, et aussi des soins mixtes, un espace d'échange, de discussion autour d'un thème ou librement, avec un massage derrière par exemple. Je pratique aussi le soin Rebozo, qui est un merveilleux soin dont je vous ai déjà parlé. Vous retrouverez plus d'informations sur mon site ou en me contactant. Je continue à me former chaque année pour évidemment rester à jour et vous proposer de nouvelles choses. Si vous ressentez le besoin d'être accompagné, d'échanger avec une personne dans un espace sécurisé, non jugeant, sans recevoir de conseils non sollicités, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon site internet, mes réseaux sociaux, vous trouverez certainement le moyen de me joindre. Évidemment, comme j'aurais oublié plein de choses à dire dans cette vidéo, regardez en barre d'infos si vous êtes sur YouTube, je rajouterai certainement des choses au fur et à mesure. Et sinon, vous pouvez me contacter. Je vous dis à bientôt peut-être.